maquette, première image qui m'est venue à l'esprit lors de nos premiers échanges créatifs sur une composition d'image qui serait Aurel San, poursuivi par un robot géant dans une grande ville, dans une grande métropole. On a choisi de shooter les photos à Londres, parce que de toutes les villes en Europe accessibles à... Je crois que Paris, Londres a une architecture aujourd'hui très contemporaine. Düsseldorf aussi. Düsseldorf un peu ça, mais sachant qu'on va faire un mélange de plusieurs quartiers de Londres pour arriver à une ville un peu hybride et pas forcément identifiable, parce qu'on veut pas forcément une ville identifiable. C'est important que ce soit un robot qui soit un robot assez contemporain. Et puis je pense aussi qu'il faut que quelque part l'esthétique du robot aille avec Casio, mais qu'en même temps le robot soit pas plus beau que la G-Shock non plus, parce que je pense qu'il doit quand même symboliser une sorte de mal quelque part. Voilà, le robot sera en train de courir de cette manière, mais on aurait quelque chose de plus imposant comme ici quoi. Ça, c'est notre visuel de référence pour le shoot. Là, on est à Londres. Et on est dans le quartier des affaires parce qu'il y a des bâtiments qui nous plaisent. David et Guillaume, le chef op, ils ont repéré des bâtiments qu'ils aiment bien. Donc, l'idée, c'est de réussir à combiner une belle lumière sur l'architecture, qu'on ait une belle architecture en arrière-plan et qu'on ait un Aurel. Pour qu'Aurel soit intéressant aussi en... Est-ce qu'il doit avoir l'air malin? Est-ce que genre il est sûr de lui? Ou ça l'amuse? Ou est-ce qu'il a peur? Ou est-ce qu'il est hyper essoufflé? Voilà, on essaye un peu différents trucs. Ça c'est un peu une technique à l'ancienne. Maintenant on utilise des miroirs hyperboliques en général sur des appareils photo. Mais une technique ancienne, c'est qu'on utilise une sphère miroir comme ça, sur laquelle on shoot plusieurs expositions de diaph. Créer un environnement pour la 3D, pour ensuite, là pour le coup, comme on va incruster le robot dans la ville, le robot a des surfaces métalliques et on éclaire le robot avec cette sphère, cet environnement HDR, pour créer un rendu photoréaliste sur le robot, et aussi pour que le robot puisse avoir toutes les réflexions de la ville autour. Ce qui me plaît dans cette campagne, c'est que ça me ressemble. Parce que déjà, c'est David qui la réalise, et avec David, on voit ça ressemble depuis le début. Il y a des robots, il y a des explosions, c'est un truc un peu futuriste et tout. C'est un genre d'univers que j'aime bien, quoi. Il me donnait des directions improbables, quoi. C'était à base de « cours plus bas ». Qu'est-ce que ça veut dire « cours plus bas » On ne sait pas. Il faut trouver la gestuelle, la position parfaite, graphique, visuelle, qui s'incruste bien sur la photo. Qu'on ait une silhouette, qu'on ait une posture. De retour de Londres après une magnifique journée, on a fait 7000 photos. Il fallait en choisir une parmi ces 7000. Un beau portrait d'Aurel San, une belle photo d'Aurel en action, on avait besoin de ça. Sélectionné parmi sur les 7000 photos, on en avait à peu près 3000 d'Aurel. Pour trouver la bonne expression de visage et pour trouver la bonne attitude, déjà il a fallu faire des tests d'optique, il a fallu courir, beaucoup courir. Et ensuite, le vrai truc, c'est forcément, on pouvait pas juste coller le robot dans le décor derrière Aurel San. Il fallait vraiment l'intégrer comme si le robot était en train de détruire la rue dans laquelle il courait. Donc, sont venus s'ajouter tout un tas d'éléments, des particules d'étincelles, de feu, des bagnoles qui volent, une bagnole écrasée, le contact du pied dans le sol. Il m'a vraiment laissé faire, j'avais vraiment de la liberté, même au niveau de son image. Et je pense que j'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre que David. Et j'aurais peut-être pas fait pour une autre marque que j'ai choqué d'ailleurs, parce que je savais qu'ils allaient nous laisser la possibilité de faire exactement ce qu'on veut.